Et puis, vous savez, ce jogging qu'on avait dans les années 80 qui se détachait sur le côté. Ah oui, oui, oui. Au bout de deux séances à 50 ans d'une salle de sport, tu ressembles rapidement à une momie qu'on aurait embaumée au Saint-Dol. Tu portes ton sac et qu'il y a un petit con qui vient te dire en disant « Je peux vous aider à ramener votre sac à la maison, monsieur ?» La gueule ! Petit con ! Tu m'aurais connu 20 ans de moi, je t'aurais pété la gueule ! Merci beaucoup, messieurs là. Je suis en forme. Ah non, parce que ce matin, c'est mon tour, c'est moi qui m'y colle, c'est moi qui est responsable de la revue pour rentrer. Alors il m'explique que c'est vachement bien, qu'on peut mettre à disposition les salariés en temps partagé, qu'on bénéficie d'un personnel extra compétent, que ça simplifie les démarches administratives et de recrutement. Et là, je me suis dit, Alice, et ben la voilà, c'est ta solution. Je vais déléguer la thune de la comptabilité. En fait, le problème, c'est que j'avais pas assez de travail pour embaucher une comptable à temps complet, ni même à mi-temps. Et puis après, je trouvais pas quelqu'un pour quelques heures, quoi. Mais là, je me suis dit, ben voilà, employer une comptable à temps partagé, ça, c'était futé, hein. Dans les cas d'alliance, je peux partir en vacances. Monsieur Jean-Michel, Monsieur le Président nous fait l'honneur de sa visite au salon du Forum de l'Emploi de Guingamp. Une chaleur. Oui, je me disais que passer quelques moments avec mes drôles de dames, ce serait plutôt sympa. Oh. C'est pas l'intérêt. En fait, le truc, c'est que vous travaillez dans vos activités, mais sur différents clients. Hein. Ah, par exemple, le lundi, mardi, vous pouvez travailler sur une petite boîte agroalimentaire. Le mercredi, vous bossez sur vos structures. Et puis le reste de la semaine, sur une chaîne de production. C'est ça, le temps partagé. Vous comprenez? Et alors, en plus, cet avantage, c'est que ça crée vraiment une grande richesse dans les relations professionnelles. Parce que d'habitude, vous devez travailler, monsieur, hein, vous savez bien, hein. Bah oui, on a tous les mêmes collègues en face de nous, hein, qui sont chiants, ennuyants. C'est vraiment pesant, hein, ça, c'est vraiment pénible. Oui, alors, vous, par contre, la com, c'est pas trop ça, hein. Oh, bah non. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas, je suis responsable de la communication. J'ai une folie, j'ai une idée de folie pour vous. J'ai donc commandé pour votre entreprise 12 combinaisons en lycra jaune que chacun de vos salariés va mettre tous les matins. Et la particularité de vous, monsieur Alex, c'est quand vous prenez attention dans les prises, le logo de votre entreprise s'allume, ça s'allume dans le dos. C'est un truc de fou! Alors, on va, à partir de la semaine prochaine, dans votre établissement, faire du poney aquatique. Mais attention! Là où l'idée, elle est carrément géniale, c'est qu'on va faire du poney aquatique avec des vrais poneys! Oh, j'ai un job de ouf! Merci à Délios!